Bonjour, bonjour. On commence, on prend un écart comme ça, c'est bon. Et puis là, on va commencer en prenant soit à la gauche ou à la droite selon votre volonté. Donc, on y va. On va faire, on se dit, 3 minutes. On peut aller à 10. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va courir. On va courir dans le même sens, mais avec une différence. C'est-à-dire qu'on choisit soit cette chaise ou celle-là. Celle qu'on choisit, c'est celle qu'on va toucher. Moi, je vais prendre celle-là. Alors, on y va. Je la traverse une fois et que je la touche, ça fait une. Je vais faire la même chose. Je la traverse et puis je la touche deux. Je continue. Je la traverse. Quand je repars, je la touche à faire 3. Ainsi de suite jusqu'à 30. Donc je la traverse. Je la touche à faire 4. Je la traverse. Et puis je la touche. Je la touche 7. Je la traverse. Je la touche 8. Je la traverse. Je la touche 9. Je la traverse. On va y aller deux fois, c'est-à-dire qu'on la traverse deux fois et on la touche à la troisième fois. Alors on y va. 1, 2 et 3. 1, 2. Et 3. 1,
Vous faites 10 fois et après c'est bon. On peut dire quand c'est échauffé, ça prend quoi? 5, 6, 8, 9 ou 10 minutes selon votre volonté. Vous le répétez. Après ça, on peut aller au vif du sujet. Donc le corps est échauffé et là, on ne s'arrête pas. On va faire une dernière marche, question de remettre le corps en bonne condition. Alors, on y va. On continue un peu. Une, deux, et trois. Là, on peut marcher. Avec des exercices. Moi, je commence toujours par le haut du corps. On y va. Je vais mettre d'un côté à l'autre. De chaque côté. Et on peut faire un tour complet. Les yeux ouverts idéalement. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon, on peut dire 8, 2, 3, 4 et 5. Et on peut dire non. Au niveau des épaules, je referme, selon votre volonté et selon la durée que vous avez établie pour votre exercice. Et là, on va aller un peu. 1, 2, 3. Et on revient. 1, 2, 3. 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 On revient. 1, 2, 3, on revient. 1,
consentir, ça fait du bien, ça. Sûr, ça fait du bien. Alors, vous m'en direz. Et là, on fait pareil, dans l'autre sens. Ça fait du bien. Et là, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Parfait. On arrondit le dos, ça fait du bien. On fait pareil, on arrondit le dos. Et là, vous savez, envoyez les doigts, les lancer, essayez de les bouger autant que vous voulez. Surtout au niveau des doigts. Bon. Allez, on envoie la main, on met le coude et on tire. Compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On lâche. Voilà. On refait la même chose de l'autre côté. On tire encore. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. C'est bon. Maintenant, on descend un peu plus au niveau des reins. On monte et tourne. Compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient. On se tourne. On essaye de rester, vous voyez, droit. On se tourne, 1, 2, 3, 5, et on revient. On refait la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, on revient, 1, 2, 3, 4, 5, on revient, 1, 2, 3, 4, 5, on revient, 1, 2, 3, 4, 5, et on revient. Et là, on va essayer d'occuper tout notre espace. On va descendre un peu plus au niveau du genou. Je commence par le genou gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. Je vais au droit. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, 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 et je reviens. On refait une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, et je reviens. Là, on va complexifier. On garde le même écart. On essaye de toucher la chaise. Entre en, en s'appuyant sur le genou. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens. On va de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reviens. On refait la même chose. 2, 3, 4, 5, je reviens, 3, 4, 5, je reviens, 2, 4, 5, je reviens, 1, 2, 3, 4, 5, je reviens, 1, 2, 3, 4, 5, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. On en fait 5 ou 10 selon votre disposition ou la disponibilité que vous êtes accordée pour l'exercice. Parfait. Une fois qu'on l'a fait, c'est bon. On va passer à un autre exercice. On va descendre plus bas. D'accord? On y va. On va toucher le bout. Chacun des côtés. Donc, on va commencer par la gauche. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens.
1, 2, 3, 4, 5, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, je reviens. Vous voyez, mon pied, le pied inverse est tendu. 1, 2, 3, 4, 5, je reviens. Je pense qu'il est mieux ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5, je reviens. 1, 2, 3, 4, 5. Ainsi, on continue. On lâche pas. Parfait. On continue. Aujourd'hui, c'est le réveil. C'est le début de la deuxième semaine. On réveille le corps. Il n'y a pas d'option 1, il n'y a pas d'option 2, il n'y a pas d'option 3. C'est le réveil. Chacun des options. Les jours suivants, on va essayer de complexifier et de tenir compte de sa capacité. Aujourd'hui, on réveille le corps. On lui dit que ce sera une semaine particulière. Alors, là, c'est bon. On va continuer. Est-ce que vous êtes toujours partant? C'est bon. Alors, allons-y. Donc là, on va ramener les jambes. On va faire quelque chose. On va aller d'un bout à l'autre en essayant de garder l'écart aussi réduit que possible. Allez, on y va. L'idée, c'est de faire ça. Un, deux. Vous voyez? Donc, c'est de raser son siège. Chacun des côtés. On y va. Un, deux, trois. On en fait 10. 4, 5, 10 de chaque côté, bien sûr. 6, ça les divise. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20 et un cadeau là. C'est bon? Allez, on se dégourdit les jambes, on dégourdit les jambes. C'est bon? Après un exercice un peu complexe, l'idée c'est de toujours prendre un autre exercice un peu moins complexe pour essayer de dégourdir, continuer à dégourdir. D'accord, donc dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est ça. 1, 2, allez, 3, 4, on danse, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, on va 30, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Allez, c'est bon. Allez, on est à combien là? On est à peu près 16 minutes. Nous avons encore 4 minutes, ça vous convient? Allez, quelques petits autres exercices que vous pourrez faire. Ce que je vous propose là, c'est ce que vous pourrez adopter. Donc moi, cela, c'est la première journée. C'est un réveil physique. Alors, ah, pas d'option 1, pas d'option 2, pas d'option 3. C'est juste un réveil. On commence la semaine en délicatesse. C'est tout doux. Allez. Bon. Là, je vais vous donner encore un ou deux ou trois exercices, dépendant. Ce que vous voudrez. Alors, on va faire quelque chose. D'accord. Là, vous voyez, mon écart, il est un peu plus grand. Ça vous dit? Est-ce que vous avez une idée? Alors, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, cet écart-là, le pied inverse, il regarde. Et on va faire ça. Descendez autant que vous pouvez. Parfait. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez vous agripper au siège, du côté où vous vous inclinez. Ceux qui le peuvent, c'est ça. D'accord? On va faire ainsi, en passant d'un bout à l'autre. Donc, ceux qui ne peuvent pas, vous vous agrippez sur la chaise. D'accord, ce sera ça l'option 1. Maintenant, option 2 et 3, c'est de l'un à l'autre. On y va? Parfait. On fait la même chose. On garde le pied. Il doit être plat. On ne fait pas ça. C'est vraiment ça. D'accord? On y va. Donc, ceux qui ne peuvent pas, ça grippe là. Ceux qui peuvent, c'est ça. On y va. 2. C'est bon?
3, 4, 5. On y va? On y va, on va à 10. Vous êtes d'accord? 7, 8, 9 et 10. Un petit cadeau. Et là, on se lève. Après un exercice complexe, un exercice léger. Alors, si ce n'est pas ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant, on va s'asseoir un peu. Alors, parfait. Ce sera ça. Des pas et d'autres. On va essayer de chercher le centre ici. On rejoint les pieds là. Ce qu'on va faire, c'est d'essayer de travailler un peu d'équilibre. Les deux sièges sont là. On va aller les chercher. On y va. On essaye de tendre la main autant que possible. C'est l'autre bout en fait. C'est pas ici. Ici c'est ça. Ça. Mais moi c'est l'autre bout que je vise. On y va. On essaye de tenir que les pieds restent renfermés avec l'autre main. On y va. On tend. 1, 2, 3. 4. L'idée, on va essayer de faire cet exercice tous les jours. L'idée, c'est que à la 7e journée, que vous soyez capable de toucher. Comme ça, vous voyez? Donc ce sera ça l'idée. Mais aujourd'hui, on va juste chercher. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 et 10. D'accord? Et là, on doit faire pareil. L'idée, c'est que à la 7e journée, vous soyez capable de faire ça. Mais aujourd'hui, on va essayer d'avancer. On y va. On ne tire pas. Donc, possible, vous gardez les mains là. L'idée, c'est ça. C'est d'aller le plus loin possible. Donc, idéalement, il faudra essayer de faire comme si on veut toucher. D'accord, on va aller le plus loin possible. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bon? On commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un dernier, ça vous dit? On y va. 1, 2. On n'arrondit pas le dos, c'est pas ça. C'est vraiment, essaye de garder le dos aussi droit que possible. 1, 2, ou sinon on bouge tout le corps. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On refait le dernier de ce côté. 1, 2, on y va, on touche. 3, je touche. 4, on y va. 5. 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous touchez 2 ou 3 fois, c'est bon. Alors, on va continuer là pour finir l'exercice de ce jour. Ça vous dit? On va essayer d'aller toucher les pieds. On s'étire, c'est toujours un étirement. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On descend aussi loin qu'on peut. On touche, on descend, parfait. Dès qu'on arrive au bout, on remonte et on refait la même chose en arrière. On s'étire, on s'étire, on s'étire, ça fait du bien.
venir. Parfait. C'est bon? On devient, on va refaire pareil, mais en allant d'un côté à l'autre. On y va. Et n'oubliez pas, voilà une bonne chose à faire, c'est du top. On y va, on touche si on peut, si on ne peut pas, c'est pas grave. Une idée, on ne lève pas le pied pendant qu'on essaye de toucher. Non, c'est pas ça l'idée, il va rester là. Ok, on y va, on refait de l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. On est à deux chaque côté, on va à trois. Aussi trois là. Quatre. Quatre. 5, 5, 6 et 6, 7 et 7, 8 et 8, 9 et 9, 10 et 10 et c'est bon. Alors ça vous dit qu'on finisse en douceur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'étendre, d'accord? On y va. Voilà, un dernier exercice. On va aller, on va rester dans cette position, on va aller chercher de part et d'autre, vous voyez. Allez, on y va. On y va, on est dans cet espace. On ne bouge pas les chaises. On y va, on est à 2, 3, 4, 6, 8, 10. C'est parfait. Alors là, on tend complètement les bras. On reste là, allongé. Et on ne bouge pas. On se donne 30 secondes comme ça. On ne bouge pas. C'est bon. Et là, on peut se relever. Alors, j'ai une idée pour se relever. Soit vous faites ça, ou alors vous faites ça. C'est bon? Allez, on va se retourner pour finir cet exercice en beauté. On va se lever autant que possible. On y va. On va à gauche, à droite, gauche, droite ou droite, gauche, selon votre volonté, et on y va, on se recouche. Fais la même chose, on s'élève. Droite, gauche, gauche, droite, selon votre volonté, et on se recouche. Et là, on va s'élever comme ça. Vous voyez? Là, on reste dans cette position. On compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un dernier effort, ce sera ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et un petit cadeau. Et là, on avance, on est à ce niveau, on reste dans cette position, on compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier effort, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, un petit cadeau. Et on remonte. On est fiers et on se dit bon.
semaine de challenge. J'espère que cet exercice vous a plu. Ce n'était qu'un réveil. Donc, il n'y a pas d'option 1, pas d'option 2, pas d'option 3. On a fait quoi? 30, je crois c'est... On est à combien de minutes là? 31 minutes, 30 minutes, je ne sais pas. En fait, ça sera ou une vingtaine. Ça dépend du moment à partir duquel vous allez commencer. Mais 15 minutes, 15 à 20 minutes, c'est déjà ça. 20, 30, c'est bon. Je vous encourage à faire entre 20 et 30 minutes d'exercice par jour. Ça peut être la marche. Vous voyez, là, on a juste réveillé le corps. Il n'y a pas d'option 1, pas d'option 2, pas d'option 3. Donc, c'était ça, ma proposition de ce jour. Bienvenue sur votre chaîne Lumière Tutude. Bravo, bravo, bravo à tous. Et on se revoit demain pour la deuxième journée. Allez, bonne journée à tous. Je vous souhaite le meilleur. Bye.